Il faut secouer un peu. Je vais m'entraîner avec une fille pour être motivé. Je voulais vous demander si vous pouvez me prendre pendant quelques secondes. Peut-être qu'on devrait demander à un coach. Un coach, non, parce qu'il n'y a que des hommes. Prenez-moi et je vais commencer. D'accord. Oups, ça coule. Salut chers amis, je suis ravi de vous voir sur ma chaîne. Et déjà maintenant, je prendrai un balai, un seau et un chiffon et j'irai à la gym. Je vais trouver les meilleures réactions pour vous et surtout soulever des poids lourds, coller les filles et impressionner des gens. Profitez bien de voir cette vidéo, nous commençons. Peut-être que je peux vous aider? Attendez, j'arrive. Ah non, merci. Oh putain. Qu'est-ce que tu manges? La barre? Attendez, je vais vite nettoyer. Il est grand lui. Bien joué. Tu veux quoi? Je suis derrière au cas où. Ne vous inquiétez pas, je ne touche pas. Pardon? Je demande, qu'est-ce que tu manges pour devenir si grand? La nutrition sportive et le poids lourd. J'ai compris. Et je peux m'entraîner en même temps. Vous ne faites pas les tractions? Je voulais vite nettoyer ici. Attendez une minute s'il vous plaît. Et si je vais tomber? Mais j'ai déjà lavé le sol avec ce balai, donc il est bien. Parfait, encore deux fois. C'est bien? Oui, oui, c'est nickel, je suis là. Et tu fais cet exercice pour les biceps? Oui, les biceps, regarde. Ici aussi. Ils sont comme ma tête, tu vois. Je voulais vous demander si vous pouvez me prendre pendant quelques secondes pour que je fasse avec le poids supplémentaire, vous comprenez? Jeune homme, je ne vous connais pas. Vladimir. Ah, je l'apprends. Le poids n'est pas petit, je vois que t'es le plus grand à cette salle. Bah oui. Et la dernière? Ok, je l'ai pris. Ce n'est pas lourd? Non, c'est bon. Vous êtes sûr? Peut-être vous devez vous échauffer? Et montre-moi comment faire. Non, il faut pas, avec ce poids? Bah oui. C'est lourd. Mais je voulais faire avec ça. Tu peux chercher là-bas. Commence avec le plus petit, tu vois? Vladimir, nettoyage, cleaning, privé, les salles, je travaille ici. Et c'est pour quel muscle? Pour le dos. Et les jambes. Dos et jambes. Peut-être tu peux me montrer au niveau de la technique? Et si tu serais traumatisé, c'est lourd. Vous pouvez m'expliquer comment il faut faire? Peut-être que vous devez demander à un coach? Un coach, non, parce qu'il n'y a que des hommes. Je pense que si je veux prendre le même poids que toi, je serai comme toi. Non, non, il faut pas. Comment vous appelez-vous? Masha. Masha, Vladimir, enchanté. Votre main est très douce. Je vais essayer. Tu vas casser ton dos. Cet exercice est dangereux. Et si je... Si tu fais avec les mauvaises techniques? Bah oui, oui. Je pense que si je ne veux pas... Sous ta responsabilité. Je vais m'entraîner avec une fille pour être motivé. Hmm. Moi aussi, je vais devenir si grand comme toi. Vous devez me prendre derrière et je vais faire les tractions. Vous ne devez rien faire. T'as fait comme ça? Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est tournée. Attention. Non, ça va, je n'ai rien. Je vais essayer. Oh. Non, non, il vaut mieux les prendre comme ça. Oui, c'est parfait. Ok. J'espère que ce n'est pas dangereux. Fais les bas. J'ai besoin de poids supplémentaire parce que je voulais muscler juste les bras. S'il vous plaît. Ok. Et peut-être il faut attacher les mains. Je vois que t'as quelque chose. Assieds-toi, ce sera plus facile. Non, c'est plus difficile, attendez. Je vais essayer une fois. Prenez-moi et je vais commencer. D'accord. Et comment attacher ça? Mets-les comme ça. Non, c'est difficile. Arrête, il faut pas. Allez-y. Je dois vous prendre ici? Oui, oui. Et les deuxièmes, exactement les mêmes choses. Attends un peu. Je me souviens comment j'étais offensé à l'école. Mais c'est pas l'école. Mon ami, peut-être il faut pas. C'est trop lourd pour toi. Tu vas casser ton dos. Mais je vais essayer en moi. Zut. Elle est lourde. C'est dangereux. Ah non, il reste qu'une main. C'est bien ça? Oui, nous commençons. Wow, bien joué. Écoute, ce n'est pas difficile. Oh my god. Elle bouge trop fort. Oh. Déposez-la. Non, ça va. Tranquille. Vous
Voilà, j'ai essayé, j'ai réussi, je suis content. Voilà, 5 fois. Quel nettoyeur nous avons maintenant? Ça tourne bien. Reculer, j'ai trouvé un équilibre. Tu vois quel biceps j'ai? Il faut taper comme ça. Oui, oui. Vas-y, tape, n'hésite pas. Maintenant, je vais taper aussi. C'est bien ça. Merci beaucoup. Vous êtes très fort. C'est parce qu'après le travail, j'aime bien m'entraîner parfois. T'as déjà fait du sport? J'ai fait du nettoyage. Voici mon seau. Je vois que vous vous entraînez. Oui, j'ai fait des entraînements au nettoyage pendant 3 ans. Merci beaucoup, mon ami. La fois prochaine, je serai comme toi. Merci. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Je voulais demander, est-ce que nous pouvons aller chez vous? J'aime bien faire les abdos. Waouh. Merci beaucoup. Et peut-être... Ok. Je vais faire tout seul. Il est lourd ton saut? Non, aujourd'hui il est léger. Au passé, il était 20-30 kilos et j'ai marché avec. Je n'étais pas prête. Peut-être nous pouvons aller chez vous? Oui. Je voulais dire que je peux faire du ménage chez vous si vous voulez. Non, merci. Je dois dire que je travaille bien. Merci beaucoup. Dès que je termine mon travail, je serai libre et je peux venir chez vous et je vais tout nettoyer. D'accord. On dirait que tu vas casser la barre maintenant. Ça bouge très fort. Je nettoie très vite ici. Pouvez-vous ne pas déranger, s'il vous plaît? Je passe très vite. Quelle beauté! Vous n'êtes pas contre si je nettoie vite ici à côté de vous? Allez-y. Merci. Je ne vous dérange pas, ne vous inquiétez pas. Il fait très chaud aujourd'hui, vous êtes d'accord? Moi aussi, je me souviens que j'ai fait des tractions au passé, surtout quand j'étais à l'école. Il faut secouer un peu. On m'avait dit de nettoyer ici. Continuez, je ne regarde pas. Tout va bien. De toute façon, c'est très joli ce que vous faites. Vous soulevez des poids lourds. Je vois que vous êtes petite. Il y a combien ici? 40 kg. Je peux serrer votre main? Je ne sais pas comment vous le faites. Je pense que le climatiseur est cassé, c'est pour ça qu'il fait très chaud. Écoute, tu n'es pas contre si je fais avec toi. J'ai entendu qu'il est très utile de faire cet exercice. Mais essaye, vas-y. Oups, ça coule. Je vous attends parce que je dois encore nettoyer votre barre. C'est des pompes, c'est ça? Non, c'est pas les pompes. C'est parce qu'au passé, on a fait les pompes autrement. Mon grand-père m'a appris qu'il faut faire des pompes avec les bras. Est-ce que je peux essayer? Je pense que vous devez vous échauffer avant de commencer. Vous savez, je travaille depuis le matin, donc j'ai déjà chaud. Faites attention, s'il vous plaît. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est impossible. Vous n'avez pas chaud, ça va? Ça va. Attends, parce que ça glisse. Comme ça, ce sera propre pour vous. J'ai oublié mon chiffon, mais c'est pas grave. Dès que je vous ai vu, je voulais vous demander, vous faites quoi ce soir? Je vous demande directement. Je suis un nettoyeur, mais je connais beaucoup de coachs ici. Peut-être que vous avez regardé trop de... Franchement, j'ai regardé beaucoup de filles ici, et ensuite je devais aller aux toilettes et rester là-bas. Doucement. Ok, mais ça ne tient pas. Peut-être que je dois commencer du sol. Je ne peux plus. Vous pensez que je suis une fille qui va manger du rhum? Je ne pense pas, mais peut-être vous aimez bien manger parfois. Peut-être que vous devez changer de travail et devenir un coach? Je ne sais pas, j'aime bien nettoyer. C'est parce que toute ma vie je voulais faire des nettoyages, laver les toilettes. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde, je peux aussi écouter les musiques. Vous pouvez me montrer encore une fois? Mais c'est quoi ça, jeter les chics par terre? Fouh. J'ai vu que t'as bien attrapé la barre avec tes mains. Oui, utilise bien tes mains. Franchement, je suis occupé. Occupé? Oui. En fait, je termine dans 1 heure. Et si vous voulez, nous pouvons aller au centre-ville et manger du rhum. Oh, attendez. Oh. Vous devez respirer et soulever en même temps. Ok, et encore? Vers le bas, vers le haut. Je retiens bien et comme ça, quand je serai tout seul à la maison, je vais trouver quoi faire. Je vois que vous vous entraînez. Oh oui, ça c'est mon entraînement. Oui? Quand je nettoie avec mon balai, tous les muscles travaillent.
Ah, j'ai mal un peu. Peut-être qu'il faut pas. Non, je vais essayer de le faire. Le plus important, c'est de ne pas arrêter. Vous devez imaginer que vous voulez toucher quelque chose. J'aime bien toucher. Quelque chose. Si vous voulez, venez sur mes entraînements avec le balai. Et maintenant, nous cherchons des nettoyeurs. Oui. Oui, il y a quelques places libres. J'ai aussi des amis qui travaillent là-bas. Et pas loin d'ici, je connais aussi un snack. Pas loin? Oui. Sérieux? Donc vous aimez bien Doro? Je m'appelle Anatoly. Christina. Donc il faut la soulever, c'est ça? Bah oui. Je vais vous montrer comment on lavait le sol, comment on jetait les ordures, dans quel côté, et comment on nettoyait les tuyaux si vous voulez. Tout ça dans les muscles. C'est vrai? Tout va bien? Tu n'y vas pas tomber? Non, ça va, je le tiens. C'est mon grand-père qui m'a appris tout ça. Moi aussi, je m'entraîne parfois et j'aime bien faire les abdos. Pas mal. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours demander à l'accueil. Il reste encore quelques places. C'est pas juste ce que je fais, non? Ça ne va pas? Tu veux dire que t'as jamais fait ça? D'habitude, je porte mes seaux, et c'est tout. Vous pouvez essayer et je peux vous aider. Vous aimez Durum? Oui. Moi aussi, j'aime bien. Et descendez doucement. Parfait, le dos reste toujours droit. C'est très important. Dans le cas si vous avez besoin du ménage, vous pouvez toujours me demander à l'accueil. Pour vous, je suis libre. Tu vois, je l'ai bien attrapé avec les mains et j'ai réussi. Nettoyer les tuyaux, les toilettes, je sais très bien faire. Et ce qui est très important, c'est que tout ça c'est gratuit, ou comme vous voulez. D'accord. Voilà. Parfait. Et comme ça, vous allez travailler avec moi. Je connais tout le monde ici. Peut-être vous voulez avoir les entraînements en privé? Au revoir. Je peux venir chez vous et nous pouvons faire les entraînements ensemble, surtout les pompes. Et je peux aussi nettoyer. Comment vous appelez-vous? Paulina. Vaut mieux de veste en héros. Vous n'avez pas de cash avec vous? Non, j'ai que sur ma carte bancaire. Mais franchement, je rigole. On est allé trop loin, il y a une caméra cachée là-bas. Et donc c'est un prank. Je vois que vous savez tout faire. Ah oui, donc je vous attends à l'accueil. J'ai compris. À tout à l'heure. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout aimé. Je fais du mon mieux pour vous et comme d'habitude, je vous demande de laisser vos likes si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le maintenant, car très bientôt je vais commencer la nouvelle rubrique avec un nouveau personnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, faites du sport et à très bientôt les amis.